Un spectacle qui a été conçu, réalisé par Jean-Claude De Vos, qui malheureusement nous a quittés en 2013. Merci à tous les bénévoles, merci aux percussionnistes et passez une bonne soirée. Que la fête commence. Aussi l'homme, attiré et imploré par le grand chaos, l'homme se protège dans les forêts, dans les grottes, mais bientôt il s'attaque à sa terre-mère, taille la roche et la pierre et construit des maisons et des chapelles pour se protéger du grand vide, mais sans doute pour se protéger de lui.
d'abord taillé les pierres. J'ai dressé le mur. C'était en 1906. À l'initiative du comte Robert II de Bourbon, seigneur de Brême et petit-fils du roi Louis VI le Gros. Cependant, le comte de Dreux ne me verra jamais fini. Car ma construction durera 54 ans et sera achevée par Jean Ier. Depuis 750 ans, je suis devenu la mémoire du temps. Je me dresse là, silencieux. J'étais au départ conçu pour la guerre. Mais je suis devenu trop vieux et me contente d'observer longuement. J'aime être, vivre et nourrir les femmes et les hommes de ce pays. Je les ai mis dans leur joie. L'ancien gardien du domaine. Moi, le vieux château de pierre, de fer. Envahisseurs anglais, car à cette époque, la guerre de 100 ans ravageait le pays. La butte sur laquelle j'étais érigé, le douve profonde rempli d'eau, me pourvit, unique passage pour se rendre dans l'enceinte, faisait de moi une place imprenable. Mais cette tour était percée de profondes meurtrières. Avaient la particularité d'avoir leur base construite en dents de scie. Cette disposition unique avait pour but d'éviter le ricochet des boulets. Je sus ainsi résister aux violents assauts anglais et aux sièges prolongés. En dehors des périodes de combat, notre seigneur reprenait ses activités ordinaires, c'est-à-dire les pailles, les tournois d'autres guerres et le brigandage. Il partait à la tête de ses hommes pour mettre le siège devant le château de son ennemi, faisant main basse au passage sur les récoltes, le bétail, tuant, criant, ramageant et pendouillant.
on accédait par une fenêtre. Bon, par la suite, j'ai grandi, mon confort s'est amélioré. Tout d'abord par l'aménagement de dépendances. D'autre part, les fenêtres à vitraux avaient remplacé mes sombres meurtrières, la lumière chassant la pénombre et les courants d'air. Mais en fait, c'est par la Renaissance que je suis devenu adulte, lorsque la mère du roi François Ier fit don de fer en cadeau de noces au connétable Anne de Montmorency. S'abattait sur le Tardenois et anéantissait 80% de la population. Un an après, ce fut la peste bubonique et le choléra. Puis vinrent le typhus, la vache folle et les rats. En 1623, une invasion de Martiens réduisait les survivants à l'esclavage. Bien heureusement, les orgueilleux et fiers Tardenoisiens se rebellèrent
Ils se laissèrent alors pousser les cheveux et la barbe, et sous cette terrifiante apparence, ils enfourchèrent leur Harley Davidson. Bientôt épaulés par les tuniques bleues et Rintintin lui-même, et telle une horde sauvage, ils enfournèrent les Martiens par paquets de 12 dans les soucoupes et les réexpédièrent là d'où ils venaient. Quant à Rintintin, séduit par le charme du cadre, il finit des jours heureux dans les cuisines de l'hostellerie du château. Ouais. Ouais, c'est peut-être un peu trop là. Peut-être Rintintin, je sais pas. Pour la guerre et survivais à toutes. Et ce ne furent pas les boulets qui eurent raison de mes pierres, mais l'argent. J'appartenais à Philippe d'Orléans, joueur invétéré et menant grand train. Et si j'étais parvenu à contenir l'assaut anglais, je succombais à l'assaut des créanciers de Philippe d'Orléans. Sursaisi, on commença par vendre ma toiture, dont les plombs et la charpente avaient grande valeur. Puis les pierres furent peu à peu dispersées. Je me plais cependant à imaginer qu'elles auront pu servir à reconstruire des maisons dans le Dardanois et qu'ainsi je perpétue ma mission initiale, à savoir en protéger les habitants. Thank you.
toujours plus meurtrier. Seuls ont en commun les victimes, les petits, les sans nom, les sans grade, les obscurs, d'être inexorablement oubliés par l'histoire. C'est dans mon troisième âge, c'est en 1914 que j'ai vu dans notre région les massacres les plus énormes qu'il soit permis d'imaginer. J'ai moi-même été durant cette guerre utilisé comme champ d'expérience pour les explosifs allemands. Thank you.
y a 50 ans, le château ne le voyait presque plus. Il était noyé dans les arbres, les ronces. On voyait à peine la tour qui dépassait. On allait dénicher les micorneilles. Il y a eu dans les fossés un camp d'Américains et on trouve dans la galerie ou sur les piliers de la galerie des graffitis de soldats avec leurs noms, les numéros des régiments et quelquefois la ville d'origine ou l'État, New Jersey, Virginie. Cette histoire, c'était une histoire d'Écossais. L'Écossais qui venait au repos au château et dans la ville de fer. Il venait s'y reposer, qui était au front et qui venait s'y reposer. Et qui prenait un malin plaisir quand le matin les femmes apportaient le lait, soit à la laiterie, soit sous la halle pour vendre leur lait. Qui prenait un malin plaisir à montrer tous leurs attributs qu'ils n'avaient, parce qu'ils n'avaient rien sous leur quai. Je me souviens qu'il y avait un lierre géant, un lierre centenaire certainement, gros, comme ça. Il était tellement gros et tellement puissant qu'il a fendu la tour en deux. Il y avait un endroit marqué entrée interdite. C'était un vieux panneau rouillé qui avait dû être rouge à l'époque et qui était à l'entrée de souterrains. Ce qu'ils appelaient les souterrains. Évidemment, ce n'était que deux caves. Un souterrain ? Il y en a. Pas habité par des grosses bêtes, non. Mais il y en a qui partent du château, mais pas du côté du vieux château, hein. Et les bois du château de fer. Mais on n'y allait pas non plus que pour aller cueillir du muguet. Rappelez-vous, tous ceux qui ont regardé la feuille à l'envers. Parce que le château, il a appartenu à Monsieur de la Roche. Quand mes grands-parents de Belgique sont venus ici, dans la tour à gauche, juste à côté du passage, il y a une inscription au couteau. Dans la pierre. Ah, c'est écrit CRGM. Dans un cœur. CR, c'est moi. J'avais juste, tout juste, 16 ans. C'était au mois d'août 1965. Le château de fer, j'y suis toujours allée. Déjà toute petite pour jouer. Maintenant, j'y reviens de temps en temps. Pour me souvenir. Surtout pour continuer à rêver. Je me réjouis d'avoir définitivement abandonné mes fonctions guerrières et d'être devenu le vieux témoin du temps qui passe, le vieux sage. Qu'il me soit donc permis de veiller encore pour des siècles sur vos enfants. À leur tour devenus vieillards, et sur les enfants de leurs enfants. Moi, le vieux témoin des hommes du Tardenois. Moi, l'ancien gardien du domaine. Moi, le vieux château de pierre.